Niveau 75. Bien. Alors, rien de particulier sur la porte, pas de code, rien. On va aller jeter un coup d'œil dans le lavabo. Et là, j'ai une carte postale qui représente une partie d'un monument parisien, si vous voyez lequel je veux dire. Hein. Donc, c'est un des quatre pieds de la tour Eiffel. Je prends ce morceau et je vais dans la pièce à côté. Je m'intéresse à cette trappe qui n'est jamais placée là, généralement. Et là, je vois que j'ai un puzzle avec une pièce manquante. Donc, le but ici est de reconstituer la tour Eiffel. Et lorsque vous avez reconstitué ces 9 éléments, vous allez placer le morceau qui vous manque pour compléter le tableau complètement. À ce moment-là, votre porte se déverrouillera. Alors, je vais commencer, mais comme je ne suis pas très bon à ce genre de truc, moi, le puzzle comme ça, donc il se peut que je coupe et que comment, je remette la vidéo en route au moment où je n'aurai plus que ma pièce à placer. Alors, donc, je vais le faire un petit peu, mais c'est vrai que je suis très mauvais à ce jeu-là. Voilà, d'ailleurs, je vais couper maintenant et je reviens de suite. Quelques minutes se sont donc écoulées, je ne vous dirai pas combien, hein, pour réussir à faire ce puzzle. Donc, je prends la dernière pièce. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Je la place et hop, la clé, on n'a pas le temps de la prendre, elle est tombée dans ce trou. Comment on va la récupérer? Eh bien, on repasse dans l'autre pièce. Et puis, ici, sous le tapis, en tapotant, on arrive à, voilà, dégager, j'étais un peu vite, à dégager une trappe avec une échelle. En appuyant sur l'échelle, vous vous retrouvez en bas. Ici, vous avez un petit interrupteur. Vous voyez la clé. Donc, vous prenez cette clé, vous remontez, vous la prenez, vous la mettez dans la serrure, et vous pouvez sortir.